Bonjour à tous, mon nom est Roxane Do, enseignante chez Bois Boréal. Et en ce mois de Metta qui est cette bienveillance, cette amitié profonde, on va prendre le temps de méditer ensemble. On va prendre le temps d'approfondir cette belle qualité du cœur qu'on a tous tant besoin. Et aujourd'hui, j'ai envie d'inviter cette pratique pour soi-même. Commencer en la bienveillance, cette amitié profonde, elle doit commencer par ici. Et souvent, pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile. Il y a de la résistance. Pourquoi moi, j'en ai pas besoin ou est-ce que je mérite cette amitié profonde? Mais oui, commencer, hein, ça doit commencer par nous-mêmes pour qu'on puisse ensuite redonner à l'autre. Alors, on va prendre juste quelques minutes ensemble pour approfondir cette belle qualité. Alors, je vous invite tout de suite maintenant à trouver un endroit qui est confortable. Ça peut être de s'allonger sur le lit, ça peut être de trouver notre endroit préféré dans le salon ou à l'extérieur en nature comme moi en ce moment. Et simplement s'arrêter un moment. Maintenant qu'on a trouvé cet endroit qui invite la bienveillance en soi, on peut choisir de fermer les yeux si ça semble juste ou déposer un regard doux devant soi. Et cette bienveillance commence juste là, cette rencontre avec ce corps. La connexion avec la nature en découvrant les pieds qui touchent la terre. La rencontre amicale avec la respiration, et oui, ce corps qui respire. Et pour un moment, on peut venir s'envelopper comme une couverte chaude, douce. On s'enveloppe de bienveillance tout autour de nous. On dit souvent que cette qualité de bienveillance, elle invite une chaleur intérieure. Alors on peut se dire que oui, là, chacun de nous, on est entouré de cette belle qualité du cœur. Et très doucement, on peut venir déposer des phrases ou un mot qui semble juste pour nous. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois en santé, sécurité, protégée. Que je vive avec aisance, facilité. Que je m'accueille, m'accepte complètement tel que je suis présentement, à cet instant-ci. Toute autre phrase qui résonne pour vous en ce moment. Et si les mots sont un peu trop longs pour vous, ça peut être simplement de déposer paix en vous. Sécurité, protection. Harmonie, accueil. Et pour plusieurs d'entre nous, ça peut être aidant de juste mettre une main sur le cœur, s'offrir à soi-même cette bienveillance, cette amitié inconditionnelle.
Que je sois en paix. Que je m'accueille tel que je suis. La respiration peut être un guide, elle invite chaque phrase à venir se déposer en nous. On peut suivre à l'inspiration, on nomme une phrase. Et à l'expiration, on connecte avec cette phrase qui se dépose doucement dans ce corps, dans ce cœur. Si on note là, parfois certaines résistances dans le cœur qui se referment, on peut noter ça. Juste reconnaître en cette complexité humaine. Eh oui. Revenir à notre pratique de pleine conscience, si c'est nécessaire, de présence. Et encore pour un moment, que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Et on peut peut-être se laisser inspirer là, par la nature autour de nous. Il y a les oiseaux que j'entends qui me rappellent cette joie de ce moment-ci, ce bonheur dans le quotidien. Peut-être que pour vous, c'est sentir la chaleur des couvertures ou du coussin. La chaleur de votre main sur le cœur. Ah, que je sois en paix. Et doucement, à votre rythme, on peut ouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce ou l'endroit où vous êtes. Découvrir les textures, les couleurs. Et encore une fois, ah oui, il y a ce corps qui est là. Alors, on peut faire ça souvent, des petits moments comme ça, pour développer cette qualité de bienveillance pour soi, qui nous invite à ralentir, à s'accompagner, avec peut-être un peu plus de douceur. Alors, je vous invite ça pour ce mois de mai. Et au nom de Voix Boréale, on vous remercie d'être là. On vous remercie pour votre pratique. Votre soutien et votre bienveillance. À bientôt tout le monde. Merci.